Mali news je warna je bo amul soxlo do amna show ani clé oni yankuma bi arabay septembre ko clé woro sam ba flani mo wan sama kuna fon folo wetana e Niger Burkina Faso wa fi chamane yera France am sa di kon nana Niger namore na meta Tchad ma nga bare me Tchad chief na kawni France mi jaru no ci mune kera kuna fon wala wala li amunu di awma wa flash fu kon nana bismillah arok na fonu konana amina ngabi kuna fon damne la canadika ay kuna fonu soro fo fami mali armée leni burkina armée jamana flying frontière la dugu meme na ni odu be wolo famer la oni murula nyonche ni armée flying yetike ke bamakati nyamoko dola ni bamakati nyamoko ida la ka fako ali egsi moko ka bamakati nyamoko bay ni chain ale be wolo bla chief na ko maninga na udu bamakati ala ale ga bara recrutement ni ela la fo wakatim na abora famer la ni nga ikunda murula ka ni armée flani o mali armée ali ni burkina armée wa kuna funu ya tunu saka take ke ni bamaga china ni ani tora o atakila al sameto la kana ko konnana mi ministre maga tagali ka bo mali konnana bara ku folo ku chera karido ministre maga tagali bara ku folo ku chali konnana mi niger militaire ke me ani bidru ni kile o nu tara militaire pa encore flani ngam bonwe gawo kata nuye nyami kuna ministre mai dai daga ko femye bangladesh ko suye Bangladesh pour le soutien mais ani mouan ani duruno comme d'aller mes gulam kangonana. On ne peut pas encore konnana. Pour comme konnana ministre mais il a kafro que mes messieurs la niya sur le coup mais fantan nan belajilina. Comme mouan duruno de kera luka mine chelila. Agil nan jigina. Ministre mais nyamko kuya la ino kodo kafro luka tagali deleka kosabula. Kuya luka mine cheli munuke kuya gele chama neira akonnana. Ngamali otro to konya ira kafro kunu fela konte do konga fara ministre mais tagali deleka. Iwa ega foni wakati na ministre mais kilendri se sumeya kosabe. Mie kasabe ni mali otro to resgele no kuya kasabe kono kosabe. Ni oui kidal kan te salit ka leni agelo kan o kan sa ka fara ber kan kan ni o mo ba ma ka chubol mo ni marfata malika ma ni o emelala ani ajeno on jakulu mi e ber ka iba ga feminisme yi filiga bo kon la ka soko tarali de le masi nga mali arme kon sa ka kele ga ni nga ta ka yimini samula sani ministre nga de leche ministre bora ka yen kon mo ka se ka fo ku ya gira ka fori an mon mi na ta ka ni mi sa ka ka yimini o ka amini mali arme kon sa ka ta ichongo ber kan kon nana ola ministre ko ntendo ka isse sumaya sabula ira la ka fo mal armée wul ga jowira ber ni o ya to jugu chama farfagara la ini ko ni mi e bi o de ministre akata jonani nga bo kidal akata jonani nga bo agelok aleni te salit sabula mi e minaka ka o be an armée bolo ka ba mal armée chumole be minaka ka wonana mi e gunam ka mal armée chumole be yeno aleni o ko saguka ni o blala ministre fe kuna foni flana botana e Niger Niger kuna fondi so ya ira ka fon ko femiye camion fourgonti de ko obora France amassadi konnana ni wakati na Niger autorito gele ko gere tata ka sigi France amassadi ka ni mobile kon bora kon bo dale ni nga afiye be ni camion kon ni fiu trasu ni camion kon na femi kon ni Burkina armée ga teni denta ani wororo boran camion fourgonti konnana milero be t-shirtim do wa fin koro o dem woni kleni boran camion konnana jaw kon charla sawula mo wata manya ira ka fon ko France ka yelo bulo ka cha ku were ke armée su ga bela jileni we ba makati guluta we an armée wa guluta ni ataki su ga bela jilike sabula wa élection étrangère ni beno fara fin chama ni be ala woto bu chama ni be ala arasi su ga bela jilimi ala ngamie kuna fondi lo era uli ira ka fon ko ni fini ko ko ata ni hakli ko sabula ko wati do la Burkina armée ani France woto to ko me barake nyoko fe ko sabe ko ni Burkina militaire ko ndula armée da ko yemu da kon bubulu ni armée ga fini konta ngamie ni jero autorito era ulukon ma communiquer kon ke akoka kuna fondi lokon ya ira ka fon ko sega sega lukon me sina ko ni fini nutara ka di pour suka intérêt de recherche ma ulukon ba sega sega kon ke akola ni nga Burkina autorito yin nga ni o yasra ulle ni fini nta ka di France armée ma ni o fini ira France ama sadi kon nana Niger mobile lokon ni o mobile kum ka bo ama sadi kon nana au niveau de l'ambassade de France, aux environs de 19h30, une fourgonnette a amené des meubles et quelques matériels appartenant à un Français ayant déménagé de son domicile en ville pour l'ambassade. Après avoir minutieusement fouillé, le véhicule a accédé à l'ambassade. Mais à la sortie de sa fouille, les agents ont constaté 16 tenues treillis, 21 t-shirts militaires et 2 chaussures Rangers. La fourgonnette ainsi que les tenues ont été mises à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie sous escorte de la police nationale et de la gendarmerie. On a fini sabana armée française encore l'armée française français armée négative farafina jamana chidila
Kunu manga wila Chad ka sababu ke France army France kuna fondiso ya ira ka fo ko fem ni Chad militaire do ale ni France militaire do ni wo force baraka ne ko lu bela ni kona o sin fe France militaire ale kon ye ki se chi Chad militaire la ni nga bone anina Chad mi do ale kuma na akuka aya ira ka fo shi fina kan bone na anina ko shi fina ka do mi shi beta sa bi sa andur la ko militaire te ko bana wa taro kundo anana baraka nga doktor sulu anina na aire frake saura ni du ko folina doktor so mi mateno mugo chamene bina wira furake barkan nga doktor sula nga okulino kan dugu dinu mine ina fo follow to babu me farafin mine choko yamna ho kum kon na ni mugo flame blale nyona fem goni shifina kan yale kon ni doktor so murdo ta ninga aire defa france militaire kon ni marfa kon jo adis la ninga kisebo afe ninga abone anina ni mangai charle dugu kon kon na fem goni shifina kan yulu kon boraka ira kafo kuni wali misen chama de kerani dugu kon na wutin musike tibunin ka alaje nga ubole ama bo foife fem goni chad militaire yulu wole la france militaire fe ko wana ko bazi lakana Chad militaire ko kon yiki se ci wa population na ni de tan yaira fo kala ira wulla captain ni yoroina ko Chad militaire ye marfa jo ale la kun ama se ko biki se bo anufe ako ale la tigaga jamna ire famu tuguni kala wona mingon fo ni ko ina ode barkan ara taka bo Chad ko Chad ye Chad yoni te oni ni anja ta Chad an tan dubte ina me barkan ye kom ta kanyashi Chad yoma armée française je dis bien armée française installée à Faya Larjo vient d'abattre un jeune Tchadien à bout portant. Comment cela fait-il que ces gens-là, ils occupent nos terres et ils viennent nous tuer impunément et l'armée nationale tchadienne va se mettre de leur côté? Je suis contre et je ne suis pas d'accord. Je vous explique. Il y a un ressortissant de Faya qui est allé faire un pansement à l'hôpital. Et il a eu une incompréhension avec le médecin soignant qui est de l'armée française. Il l'a abattu à bout portant. Je vous le dis, à bout portant. Hein? Nous ne sommes pas au Tchad. Et moi, en tant que conseiller national, je me rends sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité, ils ont chargé une arme sur moi, malgré que j'ai l'écharpe et l'autre, le pince de l'Assemblée nationale. Vous trouvez ça normal? Qu'ils viennent, qu'ils nous tuent chez nous. Impunément, je dis bien impunément. J'interpelle ici le gouvernement de transition. Des Français, on les héberge, ils viennent, ils tuent une personne à bout portant, en plus dans un hôpital. La personne est allée se soigner à l'hôpital. Et force est de constater que l'un des éléments de force Barkhane l'a abattu à bout portant. Et je me rends sur place. Nos forces de défense et de sécurité se permettent de charger une arme sur moi. Je ne suis pas au Tchad. Je ne représente pas la population locale. La population tchadienne. Je pense que trop, c'est trop. Soit je démissionne à partir de Faya Larjo. Et ces Français-là, ils vont quitter notre territoire. Et leur point de départ, là, ce serait Faya Larjo, Inch'Allah. Nous sommes là sur le terrain. Kunafoni nana marché interdit à la Guinée, kunu la Guinée, autorité au fait. Ni à Saint-Flair, le colonel Mamadi Doumé, allé fanta à la Guinée. Ni au Kera, septembre, le clé de Moussamba, Flani, Mouankili. Au anniversaire, au Kumu Konana, mi opposition, Moroyo, le connaît Wolib Labema. Ani jakulu ni etiki yada ye ni militaire fanga yon konana. Kabo kunu, septembre kalo kile duru ni ngata marche ka ira gafo. Koni utelute munu mbe fanga kuno wataka bo yono ni nga fanga di civilu ma. Iba ye gafo tena doshu ni nga dugu jakun tratala. Femi ye lagine ministre de la administration territoriale ale konta telisula. Aya ira gafo. Ko marche interdita lagine kabini sa en 2020. Ula e mwaka mwaka e tukwa bokata marche ko isere ye irehi. Nga obena ta shifina kan do lukon borang ta pinaji ni kare furula o ya so lagne polisu o lu ngelo kare fur bo ko ni mine iba ya fo lagne transition ay dem na mali transition ko fe nga be ko me che wati kle nani o fevrier kalo 2024 ni wati na lagne ga chama ti wira ye kulonen mamadi dumi aga fanga kon nana wa bo len yom ko me ani mali nyoko che iba ya fo wati na chama ba de bora ala ali ni anga janga ta lagne anga tan marchi kala ko ha jala je ni o kena kunu Thank you.
kuna fon duru na mutana ya Burkina sirawo ya communique ga kan yashi Burkina ma Burkina militaire mo kota ani wulufla ani shifi jagulu mi be nu wila ka de medo armée ma o mo bi saba ani woro ulu bonena unina kele dola sirawo ta shi blaga ka nyashi ni militaire no ma sabula ni kele a galera ni kele ngira Burkina ko ya fa fla defe kene kene la yetenga marala dumbe no kumbiri ni asa fla de Burkina armée kon ni yoro kon bla peu nga capitaine Ibrahim Traoré ki l'armée wulla ko tani yoro emne armée aka 12e régiment commando d'infanterie de bla tani yoro ko fale emne nga udali a galera sabula ni ba ma chu bla na nyola nga armée kon sera ga do duin kon kon nana ko bara kon na tenando fajida fla fe ma ma chu kontra fra nyoko kan ngena bi armée ka kelen kon gira la sabula mokobidru ani saba kon bonena unina ni o militaire wala ni Burkina armée de ba ga jakulu yi ni nga mokobi saba bu nyonko bana ko famni ba ma chu ta fan fle ko mo ko chamani sara ula sabula arme ma bolika bodu ina arme tora dugu ina kele gane ba ma chu won chamani bulla para foru kon na nena de medo arme ga 12e regiment commando ma ami do de ke ala kan nani ba ma ka tonu na ni ne gwi arabi ku na fone ga da okloka oni che ala mel gonyu mana a folu ana be ba bela jere kene kene na mun mi ga na je ka bola gine ku na kiri o kan be wakati bere. Nous avons décidé de demander le départ des forces internationales de notre pays. Souverainement, ça a été demandé au Conseil de sécurité. Il est vrai que dans la plupart des grandes chancelleries, les uns et les autres ont dit que aucun pays n'ose faire ça. Le Mali n'osera pas. Et notre ministre des Affaires étrangères est allé là-bas. Au nom de tout le monde, il a fait parler là-bas dans la salle, comme on dit. Départ sans délai. Après, nous avons négocié avec nos partenaires, nous avons eu 6 mois. Mais il y a des forces qui ont juré que le départ n'aura pas lieu. Ou s'il a lieu, il y aura le chaos. Les Maliens vont le regretter et rappeler les forces internationales. Et comme ça, on va continuer à désagréger l'État malien jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais nous sommes intelligents aussi, parce que la guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas seulement une guerre physique. Parce qu'avant, c'était l'argent, la palabre, un peu de guerre physique. Mais il y a le cerveau qui doit travailler. S'il n'y a pas l'intelligence des situations et des solutions, on ne s'en sortira jamais. Vous allez amener toutes les bombes, bombarder tout le nord, ça ne marchera pas. C'est pourquoi ceux qui veulent nous pousser à aller faire la guerre à Kidal, je dis, mais ils se trompent complètement d'interlocuteur. Vous allez bombarder Kidal, mais qui va mourir? C'est des innocents. Mais ceux qui mettent le feu là, ils n'auront rien. Ils vont courir aller se cacher, ou d'autres vont venir palabrer avec les gens à Bamako. Le reste de la population va souffrir, vous allez tuer des innocents. C'est pourquoi il ne faut pas compter uniquement sur la force. Il faut compter sur l'intelligence. Donc le tournoi de Berre, quand il a eu lieu, vous savez ce qui s'est passé. Il y en a qui ont perdu le moral pendant quelques jours. Les gens se sont réorganisés. Nous savons qu'il y a des individus qui sont envoyés par des services spéciaux de certains États pour créer le désordre au Mali. Donc il faut jouer sur le mental des gens. On a perdu la guerre physique. Il faut que la guerre communicationnelle, on la gagne. Et vous savez, d'après Hitler et Goebbels, il dit que dans la propagande, les mensonges qui ressemblent à la vérité sont plus convaincants que tout. Il y a l'insécurité, il y a un camion qui s'embourbe, il ne peut pas aller parce qu'il n'y a pas de route, quelqu'un vient, il tire 2 armes là-dessus, il y a une zone que vous connaissez, on met des EI, on fait sauter. Quand l'armée veut se lever, parce qu'on a notre aviation et des drones aujourd'hui qui filent les gens, il y en a qui vont se cacher sous les arbres, on les a eu au nord. Les gens, dès qu'ils apprennent que l'avion s'est levé, ils changent d'habit, ils se transforment en berger. Vous allez les bombarder, on va dire que vous avez tué des civils. Il y a tout qui se passe au nord actuellement. C'est vraiment une guerre d'intelligence qui est en train de se passer entre notre armée et les adversaires du Mali, de la paix. Mais ça, tout le monde ne peut pas la comprendre. On ne peut pas se lever aussi expliquer à tout le monde. Parce que les stratégies que la hiérarchie militaire est en train d'élaborer, nous ne pouvons pas les expliquer. Nous voulons qu'il y ait des résultats. Aujourd'hui, dès que l'avion se lève pour aller bombarder des groupes organisés,
Ils ont toujours des habits, tout le monde, ils se lèvent, tout le monde devient des bergers. En 5-10 minutes, on change d'habit. Et il y a d'autres qui sont avisés, dès que vous les touchez, ah oui, l'État malien a commencé à bombarder des populations civiles, les massacres des populations. D'ailleurs, ils choisissent les Arabes et les Touaregs. Vous savez, quand on a renvoyé une certaine radio ici, vous savez ce qui s'est passé la veille? On a tué 2 personnes à la frontière de la Guinée et 2 personnes à la frontière de la Mauritanie. C'était pendant l'embargo. Or, ces 2 pays avaient dit qu'ils ne vont pas respecter l'embargo. Donc, il fallait nous mettre en conflit. Et on entend sur une radio que oui, l'armée malienne est venue. Elle a rasé tout un village. Ceux qui ont pu se sauver ont fui dans la forêt. Et comme par hasard, c'est ces personnes qui ont fui qui sont venues ouvrir les fosses communes et trouver parmi les cadavres 2 personnes blanches et dire que c'est des Mauritaniens. Mais en vérification, la personne qui dit tout ça, Diagne, son correspondant, ce fameux habitant de ce village qui aurait fui dans la forêt est revenu. Mais la personne était à Bamako. On lui donne des crédits, on lui téléphone. Mais celui qui est à l'extérieur qui écoute cette campagne-là, mais il va croire à ça. Un Arabe qui écoute ça, un Touareg qui écoute ça, un Mauritanien, il va dire, mais ces Maliens-là, ils exagèrent. Ils sont en train de tuer nos citoyens. Heureusement que nos amis guinéens n'ont même pas écouté parce qu'ils comprennent. Notre ami mauritanien, il a compris la situation. Mais il y en a qui sont tombés là-dedans. Il a eu énormément de pression. Nous avons levé le ministre de la... le chef d'état-major des armées, le directeur des services de renseignement, le ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur, pour aller montrer géographiquement que là où notre armée a intervenu est loin de là où il y a eu les morts. Les morts, là, c'est les forces spéciales obscures qui les éliminent. Et les relais prennent. Donc c'est pour cela qu'au niveau de l'armée, nous disons toujours, il faut la collaboration sans condition à toute heure, à tout moment de la population. Le président suit nuit et jour, il ne dort même pas. Il y a beaucoup de ces activités qu'on a annulées pour le suivi total du départ des forces internationales jusqu'au 31 décembre. Il y a beaucoup de bases à libérer. Certains ont juré que ces bases ne seront pas transmises. Mais beaucoup d'espoir de ces messieurs avait été mis sur paire. Beaucoup, je vous l'apprends aujourd'hui. Et il y en a dans notre société. Il y a des Sonraï, il y a des Arabes, des Touaregs, des Belades qui sont payés pour semer le désordre. Il y a des ennemis, vous ne pouvez même pas les imaginer. Ça, c'est la force d'un État. Aujourd'hui, c'est un travail gigantesque que nous sommes en train de mener. Que les forces armées de sécurité sont en train de mener. Que l'État malien est en train de mener. Que le président est en train de mener. Le ministre de la Défense fait de son mieux. Mais je vous dis tous les dessous. Il y a trop d'enjeux actuellement. Redoubler de vigilance. Redoubler de... comment on l'appelle, de résilience, d'intelligence pour déjouer les plans des autres. Parce qu'eux, ils sont convaincus qu'on ne peut pas les résoudre. Mais on peut les faire. Vous savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, moi j'ai dit à nos amis français, la capitale de la France libre, ce n'était pas Paris, c'est Brazzaville. C'est les Africains qui ont travaillé à restituer aux Français et les autres, leur honneur et leur dignité. C'est pour que quand j'entends certains nous dire que s'ils n'étaient pas venus, nous n'existerions pas. Mais si on pousse un peu dans l'histoire, nous sommes à un tournant historique. Si le départ des forces internationales est un succès franc à Tombouctou, ça va créer un effet d'entraînement pour les autres régions. Donc nous sommes dans un combat corps à corps, je vous dis, de portée historique, politique et dialectique aujourd'hui, avec les forces qui ne veulent pas de la paix au Mali. Il y en a qui ont juré que nous allons regretter l'acte qu'on a posé à New York. Le Nord est envahi aujourd'hui d'agents spéciaux, des spécialistes en guerre, en manipulation, en communication, en tout, pour embrouiller les Maliens. Mais ils vont nous trouver sur leur chemin, avec votre aide. En Afrique,
Il a dit aux 026 n'étaient pas partis détruire la Libye pour qu'il y ait une armerie à ciel ouvert. On n'allait pas voir les terroristes dans le golfe de Guinée. Mais aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Ils disent, ouais, si on n'était pas fini, ils allaient même disparaître. Vous savez ce qu'un a dit l'autre jour, vous avez vu dans les vidéos, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Josep Borrell, il a dit, quand le ministre des Affaires étrangères de la Russie était venu au Mali, et d'ici il est en Afrique du Sud, le monsieur il dit, ah oui, vous savez, les Africains, là, c'est des gens, ils sont faciles à manipuler. C'est des cibles faciles. Un ministre. Dans le même moyen, là, il tenait un grand discours. Il dit que l'Europe, c'est un jardin et il y a la jungle qui l'entoure. Et voici ce monsieur. Maintenant que les choses sont en train de les échapper, au début, ils ont cru que ça manipulait les Africains pour imposer des sanctions. Ils ont vu que ça ne marche pas. Maintenant, il a réuni les ministres de la Défense de l'Union européenne le mercredi 30 août, au sud de l'Espagne. Il leur dit, vous savez, les Africains là, nous avons des intérêts là-bas. Il faut que nous changions de lecture. Il faut qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe chez eux. Parce que jusqu'ici, on ne comprenait pas. C'est maintenant qu'il dit ça. Il dit, mais voilà des gens qui se réveillent à 14h. Nous, on est réveillés depuis 7h30, on est au travail. C'est maintenant qu'il se lève pour dire qu'il doit aller au travail. Mais pourquoi il n'avait pas commencé par ça? Donc, vous imaginez le ministre des Affaires étrangères de tous les pays de l'Union européenne. Est-ce que vous voyez le raisonnement? Et quand il a dit que l'Europe est un jardin où il y a des jeunes, il y a quelques députés qui se sont levés, mais la majorité n'a rien dit. La vérité, il faut que les Africains le comprennent. Ces histoires de dire les Africains blancs, les Africains noirs, chez eux là, tous ceux qui ne sont pas avec eux là, ils sont des races inférieures.